Je suis bien arrivée à Paris, je suis gare de l'Est. J'essaie de trouver mon chemin, on va essayer de ne pas se perdre. Je suis en plein cœur de Paris et donc première étape, je me dirige vers le Casino de Paris, c'est là où va se dérouler Émilie Jolie. Je suis très en avance, là j'ai pris le métro pour venir, mais je vais rejoindre Catou devant le casino et ça va être trop chouette. On se retrouve donc avec Maëline qui a fait sa première à Émilie Jolie aujourd'hui. Donc dis-moi comment ça s'est passé. Bah ça s'est super bien passé. Pas trop stressé, ça allait? Non, ça va. T'as hâte de faire les prochaines dates? Oui. Bah c'est super alors, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis actuellement au Casino de Paris, on a pu rentrer dans le hall. C'est vraiment incroyablement beau. C'est waouh. J'étais à la boutique, j'ai acheté quelques petits produits, dont ce truc. Et j'ai acheté également le DVD Émilie Jolie du spectacle où Gloria jouait dedans. Donc c'est trop cool parce que j'avais pas encore pu l'acheter et maintenant bah, je l'ai. Bon, du coup, je me suis rendue direction la Kid Expo, au parc des expositions. J'ai mis 20 minutes à trouver le bon hall. Du coup, j'ai perdu plein de temps. Je sais pas du tout si je vais du coup, pouvoir faire ce que je veux. Je suis essoufflée et décoiffée et tout ce que vous voulez. Ça sent la fin de journée, là. Coucou, c'est nous. C'est les Wear Citizen. On a volé son téléphone. On a volé le vlog. On a pris le contrôle du vlog. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle nous Zoé. Est-ce qu'elle est là? Ah ouais, elle est là, regardez. Oh là là. Des gros bisous. Bisous. Voilà, donc je sors de la Kid Expo. Ça a été absolument exceptionnel. J'ai rencontré Zoé, qui a été juste tellement adorable. Je sais pas combien de fois elle m'a prise dans ses bras. Mais je suis tellement émue, tellement heureuse de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas si vous allez arriver à réaliser. Je viens d'arriver à la gare de Strasbourg, donc je suis de retour chez moi. C'était une journée incroyable. Et je vous reprends demain matin parce que là je vais dormir. Me revoilà chez moi après une bonne nuit de sommeil. Revenons-en à Émilie Jolie. Alors déjà c'était un spectacle absolument incroyable que je recommande à tout le monde. Donc cette comédie musicale est jouée au Casino de Paris, aux dates que je vais vous afficher juste ici. Vous aurez peut-être l'occasion comme moi de voir Anna dans le rôle d'Emily, mais aussi peut-être Maëline et Louane qui sont également des Émilie Jolie, qui sont deux petites que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier et qui sont juste adorables et très talentueuses. Je vous ai mis quelques extraits du spectacle dans la vidéo, alors j'ai fait attention de mettre vraiment des petites séquences pour ne pas trop montrer, mais en même temps pour donner aux gens l'envie d'aller voir la comédie musicale. En tout cas, vraiment, je conseille à 100%. Je voulais vous montrer de plus près aussi ce que j'ai acheté comme produit dérivé Émilie Jolie au Casino de Paris. Donc déjà, le petit truc que tous les enfants ont adoré, je l'ai pris parce que je trouvais que ça rappelait bien le casino en fait. Pas vraiment Émilie Jolie, mais le casino. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le DVD Émilie Jolie, justement, qui est la prise de vue de la comédie musicale. Dans cette version, c'est Gloria, anciennement des Kids United, qui fait Émilie. Donc celui-là, je vous conseille à 100% de l'acheter. C'est un très très beau spectacle. Je vous mettrai le lien en description où vous pouvez l'acheter. Et pour terminer, je voulais quelque chose qui rappelait vraiment Émilie Jolie, donc j'ai pris le petit tour de cou avec écrit Émilie Jolie dessus.
Ensuite, en ce qui concerne la Kid Expo, je vais revenir rapidement dessus. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, les personnes que je suis allée voir, les enfants que je suis allée voir, ce sont les We Are World Citizens, qui ont fait un album récemment sur les Fables de la Fontaine. Les Fables de la Fontaine en chanson, ce qui est vraiment un très très beau projet. Ça permet aux enfants de s'intéresser aux Fables de la Fontaine en les ayant sous une autre forme que seulement parler, mais ici chanter. En plus, les enfants sont très 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 talentueux et vraiment adorables. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Baptiste, Maïssa, Zoé et Tom. Tom qui est un nouveau dans le groupe. Et donc, j'ai pu leur faire redédicacer mon album. Alors, j'avais gagné l'album dédicacé, donc même sans les avoir rencontrés, il y avait déjà des dédicaces. Et dans ce groupe, il y a du coup Zoé. Je vous mets la petite photo ici. Que j'ai rencontrée pour la première fois. Ça fait bien longtemps que je la suis maintenant. Elle a sorti un single qui s'appelle Dans les nuages. Je vous mets le petit visuel ici. Je vous mets le lien pour l'écouter aussi dans ma description. Zoé, c'est vraiment une petite fille adorable. J'ai été très très marquée, très très émue par notre rencontre. Si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, de les rencontrer, 100% je dis oui, allez-y. Ils font la première partie d'Angelina le 4 décembre à Lille. Donc si vous avez l'occasion d'aller à ce concert, vous les verrez en première partie. Et ça a été vraiment un très très beau moment avec eux. On va terminer cette vidéo sur les remerciements quand même des personnes qui ont permis à cette journée d'être absolument exceptionnelle. On va commencer avec Katou. Merci beaucoup d'avoir été d'excellente compagnie dans l'attente du début de la comédie musicale. Merci à Maëline et sa maman qui ont été juste adorables avec nous. Merci à Louane, sa maman également, qui a accepté qu'on fasse une photo. Merci à tous les We Are World Citizens. Merci aux parents, merci à la maman de Zoé qui a été incroyable, merci Zoé. Et merci à tous ceux que j'ai croisés durant cette journée parce que de A à Z, elle a été incroyable. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Promis, j'attendrai plus un an pour la prochaine.